Yo, bande de rejets, c'est Darkmoon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, sur The Witcher 3, pour un petit tuto, comment trouver l'armure de Griffon, hein. Enfin le set, hein, c'est-à-dire avec les épées et l'armure. Donc on commence tout de suite par l'épée en acier, si je me trompe pas, hein. Hop, on défonce cette petite porte. Oui, je commente en différé, hein. Que tout simplement comme ça c'est plus simple pour moi, comme ça je fais le montage et tout, vous allez comprendre, hein, c'est comme ça que je vais faire pour l'armure de l'ours et du chat aussi. Voilà, donc là ça se situe par là, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous situer tout le temps la grande ville et Oxenfurt, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, un truc comme ça. Donc hop, on passe au deuxième. Là c'est l'épée d'argent, si mes souvenirs sont bons. Hop. Donc on passe à l'épée d'argent. Donc bien sûr je suis passé sur tous les ennemis avant. Donc vous inquiétez pas si vous voyez pas d'ennemis. Là normalement il y a une grosse bébête. Une vilaine bébête qui rôde par là, donc faut la buter. Et puis voilà. Après vous obtenez, voilà, le schéma pour l'épée en argent. Donc bien sûr ça débloque la quête quand vous avez une partie, bah ça, comme ça fait pour moi, hein, tout simplement. Ça débloque la quête pour avoir tout le reste. Donc là on va s'attaquer carrément à toute l'armure d'un coup. C'est à dire qu'il n'y aura pas une partie là, une partie là, une partie là. C'est tout d'un coup, vous inquiétez pas. Hop. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je ferai ça. Je ferai ça pour les autres aussi. Et pour les upgrades, hein, vous inquiétez pas. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens de français, hein, parce que oui, je commence en français, donc oui. Qui n'arrivaient pas à trouver certaines parties, donc je vais faire des petits tutos comme ça pour vous aider. Comme qui dirait, ça mange pas de pain. Et puis ça a été fait en anglais, mais pas en français, donc j'ai dit, bah bon, allez, les ricains, on va leur piquer l'idée. Hein, enfin, voilà, hop, on a toute l'armure maintenant. Donc désolé si c'est un peu coupé à l'arrache, hein, c'est pas bien grave, là ça va bientôt couper. Boum. Voilà. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble pour l'armure du griffon normal de base. J'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos, vidéos ou des trucs comme ça sur Minecraft aussi avec le petit Hexa. Et je vous dis salut à tous, c'était Darkmoon, à la prochaine, peace.